La subordination permet de rendre, enfin, encourage l'apprenant à être vraiment acteur de ses apprentissages. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'habite au quotidien dans ma relation avec eux, c'est être acteur, être présent à ce qu'ils font vraiment. Les matières sur lesquelles nous mettons l'accent sont l'enseignement des langues, et en particulier l'enseignement de la langue maternelle, mais aussi des langues deuxième, troisième, qu'on appelle en général les langues étrangères, et les mathématiques. Pourquoi ? Parce que ce sont les piliers qui permettent de travailler à tout le reste. C'est une pédagogie, une approche pédagogique qui concerne tous les apprentissages, et également, je veux insister là-dessus, qui concerne tous les élèves, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau. C'est pourquoi les outils qui ont été conçus à partir de cette approche-là sont universels et ont un lien. C'est-à-dire quand on parle de la lecture en couleur et qu'on a le fidèle devant soi, en français, et puis qu'on parle de la lecture en couleur et qu'on a le fidèle anglais devant soi, il y a des liens. Après, ce qu'on nous demande, c'est quand même d'avoir un enseignement efficace. Donc, c'est vrai que moi, avec cette approche, j'ai le sentiment d'être plus efficace. Donc c'est ça qui prime. Ah, c'est ça ! Voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez souvent. Et ça, c'est préjouissif quand on entend ça dans une classe. Tu veux parler des prises de conscience ? Ben oui. On sait que ça marche, on sait qu'ils apprennent, on sait qu'ils comprennent. Mais ils apprennent pas par cœur, ils apprennent parce qu'ils ont compris. Donc je leur dis ça d'entrée aux parents. Des mots, ils n'apprendront rien par cœur. Il n'y aura pas de leçon à apprendre par cœur. Ça se vivra dans la classe, ça va se comprendre. Et s'il y a des devoirs, c'est vraiment un réinvestissement. Il n'y a pas des devoirs pour qu'ils s'ennuient devant des feuilles à remplir chaque soir. Cette approche, c'est une approche de l'être humain.